International Service for Human Rights. Merci, Madame la Vice-Présidente. Le service international félicite l'expert indépendant pour son premier rapport devant cet auguste conseil. Comme vous l'avez noté dans votre rapport, la Côte d'Ivoire a fait des avancées sur le plan du respect des droits de l'homme depuis la crise. Mais beaucoup reste encore à faire pour réconcilier le peuple ivoirien avec son passé. Nous tenons à souligner entre autres avancées l'adoption de la loi de 2014 portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, la première du genre en Afrique. Mais cette loi ne serait effective qu'après l'adoption du décret d'application. Nous nous associons donc à votre recommandation et en appelant le gouvernement ivoirien à adopter ce décret d'application nécessaire à la pleine jouissance des droits contenus dans cette loi. Le décret d'application devrait aussi prévoir un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la loi et son évaluation périodique en consultation avec les défenseurs des droits de l'homme afin de combler les insuffisances et s'assurer de son effectivité, surtout dans la période électorale. Sur le point 88 de votre rapport relatif à la Commission nationale des droits de l'homme, vous recommandez justement la révision de la loi du 12 décembre 2014 instituant cette commission en vue de garantir son indépendance. Nous nous associons à cette recommandation en précisant qu'une Commission nationale des droits de l'homme indépendante et compétente est un gage fort pour le respect des droits de l'homme. À cet égard, nous vous encourageons à apporter l'appui nécessaire aux autorités ivoiriennes dans ce processus de révision. Monsieur Ayad, vous mentionnez comme première recommandation dans le cadre de la lutte contre l'impunité qu'il faut une justice équitable pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Tout en vous encourageant à poursuivre vos efforts dans ce domaine, il apparaît utile de vous demander quelle lecture faites-vous à présent du déroulement des procès liés à la crise post-électorale? Quelles propositions concrètes feriez-vous pour remédier à cette situation? Dans votre communiqué de presse suite à votre visite en Côte d'Ivoire le 29 mai dernier, vous exhortiez le gouvernement à assurer l'exercice des libertés publiques pour garantir des élections apaisées. À ce stade, quelle est votre analyse du respect des libertés d'association et de manifestation pacifique en Côte d'Ivoire, au vu des vives préoccupations soulevées ce dernier semestre par plusieurs observateurs? Au point 80 de votre rapport relatif à la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, vous mentionnez qu'il est par conséquent recommandable que le rapport de la commission soit rendu public. Nous attirons l'attention des autorités ivoiriennes sur le fait que le défaut de publication de ce rapport prive les défenseurs des droits de l'homme d'une source importante d'informations dans le cadre de leur travail avec les victimes. Enfin, nous encourageons l'expert indépendant à poursuivre ses efforts en collaboration avec les autorités ivoiriennes. Je vous remercie. I thank you.